Hey, salut tout le monde et bienvenue sur Francis Gaming. On se retrouve pour un nouvel épisode sur GPS4 avec Francis, tout à fait, avec moi-même. Nous sommes toujours en campagne présidentielle pour pouvoir dire qui sera le prochain président de l'Ukraine et j'espère que ce sera nous, tout simplement. Alors, au niveau des réfugiés ici, il y a combien de réfugiés? Il y en a quand même, hein. Il y en a quand même 145. Combien on peut en mettre? Non, il y en a d'autres qui sont super loin, on peut pas. Attendez, armée. Armée. Non, on va construire un camp de réfugiés. On va le construire par ici. Parce que les pauvres, ils vont marcher loin. Humanitaire. Et en plus, ça fait du bien aux gens. Les gens, ils sont heureux. Ben voilà. Ben voilà, Francis, il a tout compris. 60% de popularité. Francis, il a tout compris. Alors, au niveau des médias. Ah ouais, libre expression. Construction. Alors oui, il faudra créer plus de fibres. On peut pas faire plus de 100. Voilà. Internet mobile 4G. Ah! Je voudrais que 50% de la population. Ah, on peut pas répartir sur toutes. Bah si on peut. Hop, qu'est-ce qu'il me dit lui? Allez, on va aller à Poltava. Poltava pour ça. Hop, ici. La DSL, ça serait pas mal qu'on en ait un peu plus. Très haut débit avec la fibre. Ouais, et moi je voudrais développer le très haut débit. On en a combien là? 11. Répartir sur tout le territoire. Je voudrais qu'on en ait pour 75% de la population soit fibrée. Hop là! Je veux que toute la population soit fibrée. C'est important la fibre. En effet. La fibre optique que je vais peut-être avoir si bien sûr le Crous accepte enfin mon logement, ma demande de logement, parce que ça va faire à peu près une semaine que j'ai toujours pas reçu de réponse. Ça m'inquiète un petit peu, voyez-vous. Termination. Recette du succès. 60%. Pour toi, c'est du succès, 60%? Ah, on peut mieux faire, on peut mieux faire. 20% de popularité dans mon programme. What? C'est à ce point impopulaire? Ok, alors, vu que lui, il a beaucoup en points, eh bien, je vais tout faire pour pouvoir éviter la mort là-dessus. Pour cela, va créer des hôpitaux. Un vaste champ de création d'hôpital. Faire des trucs très très... je savais même pas que déployer la fibre, c'est pas populaire. D'accord, les gens, ils aiment pas la fibre. Ok, si vous voulez. Je ne comprends pas là-dessus. Élection. Alors, combien on est là? 27. Ah, qu'est-ce qui pourrait être très très populaire? Qui ne coûte rien? C'est les impôts. C'est les impôts. Et là? Oui! Juste cette putain d'impôt, ça me remet à 62% de popularité de mon programme. Putain! C'est ce que je voulais! Oh, j'étais en mode... Woot, woot. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas normal, ça. Ça va, ça va, ça va, ça va. On revient dans le game.
on y revient. Y a plus trop de problèmes. Enfin si. Y a toujours le débat TV, mais après il faut passer dans le premier tour. Mais pour le moment on y passe. C'est une très bonne chose. On va se battre contre eux. Donc bon. Même si j'ai plus de popularité dans mon programme. Et on va plus toucher au niveau du programme. Donc pour le moment c'est bon. Économie. 5,92. Ah, c'est très bien. En plus, ça diminue. Donc, mon inflation va diminuer. C'est un peu notre objectif. En plus, elle est très faible, notre directeur. Donc, c'est une bonne chose. Il n'y a pas d'attentat. Il n'y a plus le Donbass Est libre. Donc, plus d'attentat. C'est génial, cette petite guerre, en tout cas, avec le Donbass Est. C'est-à-dire qu'on a toutes les qualités. Enfin, moi, j'ai toutes les qualités requises pour pouvoir détruire potentiellement la Russie. La Russie. Et oui. Je l'ai. Je l'ai potentiellement ce pouvoir dissuasif. Ce gros pouvoir. J'ai détruit des petits Russes, moi, avec le Donbass Est, parce que eux, ils sont pro-russes. Donc, en soi... Non, je rigole. On se calme. On se calme. Hop, 8,63 en inflation. Regardez, tout diminue. Ça, c'est une bonne chose. C'est grâce à la perte de mon inflation. Et on va continuer là-dessus. J'ai toujours peur par rapport aux élections. 57. Oh, il va me dépasser. Ce salaud va me dépasser. C'est qui est chouchou? Moi, je suis même pas Alexander Machin. Ouais, voilà, je suis pas Alexander Machin. Police. On va faire un truc avec la police. Oh, j'ai une taxe qui va... Ah, je sais pas. Mais je sais qu'il y a un truc qui va satisfaire, c'est... On augmente le nombre de policiers. Au moins, ça va faire un petit peu. Tout petit peu. On va le faire à Lviv. À Lviv. On va le mettre ce mercredi-là. Hop, élection. Ouais, ça m'a augmenté de tout petit peu. Hein. Mais de tout petit peu. Mais pourquoi lui, il est en tête? Attends, on va essayer. Pourtant, j'ai plus de... Bon, c'est pas grave. Vas-y, on va lui demander. Pourquoi tant de haine? Expliquez-moi. Salut! Est-ce que tu peux te retirer? Volonté. Vous n'êtes pas... Merci. C'est sympa, mais... Je regrette, mais nous avons... Non, mais je sais. Mais tout le monde va dire ça. Mais non. Je veux que vous vous retirez tous. Pour que je gagne cette élection. Purée. Création d'un nouveau, ça c'est les Russes. Non, c'est la Chine. Ok. L'éducation. J'ai touché à l'éducation. J'ai pas fait sur les enseignements primaires et tout. Bah ouais, on va regarder ça. Si je suis bien sûr au débat TV. Propos de campagne. Les gens, ils aiment bien. Ils sont contents. Mais c'est pas possible, mais ils m'énervent. Le gauchiste. Il me fait trop peur. Qu'est-ce qui est populaire? Le salaire minimum. Bah oui. Francis, c'est stupide. Fallait réfléchir à ça. Et ça, par contre, on va dépenser masse argent.
le salaire minimum. On va le mettre à 200. Bam. Et là, on va mettre tellement d'argent pour leur proposer ça. Et on va aller à Kiev. Hop là. Mais je m'en fous. Ah. J'ai plus de place. Vers ce vendredi. Hop là. Normalement. Oui. J'ai 100%. Voilà. Voilà ce que je voulais. Un Français ne doit jamais avoir moins de 100% lors des élections présidentielles. Il doit être premier. Il doit tout détruire. Par contre, regardez ses dépenses publiques. Bien sûr, je vais pas réaliser tous mes souhaits. C'est pas possible, vous le savez bien. Bah, bien sûr. C'est pas génial pour les affaires, en effet. La monnaie, une baisse de l'inflation, très bien. On va peut-être... Enfin, on va peut-être rejoindre l'Union Européenne si ça continuait à être... comme ceci. Donc c'est une très bonne chose. Continuons de marcher sur les étoiles. Que c'est beau. Propos de presse. Ah, des gens sont pas contents. Je voudrais qu'une personnalité dise du bien de moi. Lui, il est à 100%. Je suis déçu. Même pas énormément. Toi, ouais, pourquoi pas. Allez, hop. On va voir. On va voir si tu vas pouvoir me dire je t'aime. Oh oui. 5-20. Monnaie. Hop. Très bien. On est à 130 là de PIB. Non, on est à 127. Ok. Le salaire minimum. Ah là là. Ça, ça fait plaisir aux gens par contre. Oh, 90. Comment ça se fait? C'est être lui contre moi, hein. Ça c'est sûr. Ça c'est sûr et certain. Vous... Avec plaisir. Vous n'êtes pas... Mal non plus. Merci. C'est sympa. Soit. Si ça peut vous faire plaisir. Soit. Oui. Arrêtez, je vais m'étouffer. Ah, c'est-à-dire non. Mais c'est pas grave. Au moins, il a dit oui. Il va parler bien de nous. Comme ça, je pourrais gagner un peu plus de popularité. Et ça va être très, très, très important. C'est la course à la popularité, là. Même si je suis à 100%. Alexander Franco, c'est nous. Pas du tout. Putain. Et moi, je suis juste derrière. Il a 90%, le mec. C'est dégueulasse. Et moi? Je crois que j'ai fait trop de promesses, donc les promesses de campagne, ça me fait négatif, donc je perds. Ah, parce que j'ai fait trop de promesses, je crois, je sais pas. Propos de la presse, merci, ça me fait augmenter un petit peu. C'est une bonne chose, en popularité. Il faut continuer ainsi. Please. Aimez-moi. On dirait que je suis en manque d'amour. Aimez-moi. S'il vous plaît. Nos agents scientifiques infiltrent. Oui, faites exploser la centrale nucléaire en Argentine. Allez-y. 66%. Allez. S'il vous plaît. Élisez-moi. La 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 la. J'ai peur, j'ai peur, j'ai peur. Respire. Aïe, Francis. Francis. Francis, respire. Ah, excusez-moi.
71%, ça fait du bien, Les ça. premières estimations viennent de tomber. Nous sommes en mesure de vous donner les résultats pour le premier tour. Les voici en images. Respirez. On prie. On est là. Oh non, notre adversaire est juste à côté de nous, comme par hasard. Allez. Ok, on est qualifié pour le second tour. Oh, on a perdu. On m'informe qu'un des candidats battus va faire son annonce maintenant. J'ai Nous perdu. l'écoutons. Je découvre en même temps que vous les images. Bonsoir. J'ai perdu. Oh, j'ai perdu. Oh mais non, mais l'Ukraine, c'était génial. Vas-y, c'est sérieux ça? Mais vas-y, j'ai perdu. Et bam, je vais mourir avec ça, c'est pas grave. Ouais, scandale, génial. Indubitable. Mais n'oublie pas. Putain, sérieusement, j'ai perdu. Sans blague. Non mais c'est bon, j'ai perdu, ça sert à rien. Genre, j'avais le plus de popularité et tout, et j'ai perdu face à des... Vas-y, c'est quoi ce jeu? C'est quoi ce jeu? Nos agents. J'ai tout fait dans ce let's play. Et putain, on me remercie en me faisant ça. C'est une blague. C'est quand que j'ai fini? C'est ce socialiste qui va être pris. C'est génial, j'ai perdu. Waouh! Ça me fait bizarre d'avoir perdu. Pourtant, je maîtrisais souvent ce genre de choses, mais là. Avoir perdu, oui. Oui, ça me fait bizarre. Oui, en effet. Ça me fait extrêmement bizarre. Et dans ma tête, je me dis, Francis, c'est pas possible, tu peux pas abandonner. Tu étais presque. Francis. Bonsoir. Nous y sommes. Allez, c'est qui? Oh! Oh, bah, comme par hasard. Hop là, allez, hop. C'est quoi qui prend le machin? J'ai perdu. J'ai perdu! Et je le laisse une putain d'Ukraine que je me suis tellement bien occupé. Mais le peuple a pas voulu de moi. Purée, quoi. Purée. 76% de popularité. Ukraine perdue. Voulez-vous incarner votre personnage en tant qu'opposant? Ah ben bien sûr. Ah bien sûr. Pour toujours. Ok, pourquoi j'ai deux fois mon personnage? What? J'ai perdu toute ma popularité? Le gouvernement vient de proposer un projet de loi.
Regardez la magie. La magie de Francie va se révéler. Regardez comment la magie de Francie va se révéler. Hop là! Salut! Je suis à nouveau président. Voilà! Voilà ce qu'on va faire! Je ne veux pas laisser tomber ce let's play. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas dans mon ressort. Je ne pourrai pas. Donc, on va recommencer. Voilà. C'est tout. C'est pas grave. On a échoué. Mais ça fait bizarre quand même d'avoir échoué. Donc voilà, Francie, il abandonne pas. Francie, il va juste profiter de ne pas avoir sauvegardé. Pour pouvoir refaire une autre partie, tout simplement. Ne soyez pas dérangés. Parce que j'ai tellement travaillé sur ce let's play. Hein. J'ai détruit le Donbass, hein, quand même. J'ai amélioré l'économie de l'Ukraine. Je suis en train de pouvoir mettre l'Ukraine dans l'Union Européenne. Donc non. Je vais pas me faire détruire par des salauds, là. Non. Donc je vais rester au pouvoir. Donc, on se retrouve pour un prochain épisode. Je vous remercie de m'avoir suivi. Allez, ciao tout le monde. Eh oui, quelle triste victoire. Allez, ciao tout le monde. Le let's play continue toujours.